Vous avez pas bu le café ce matin? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, démonstration de l'association Fever Cheer Dance. Murois. Non, quelqu'un m'attend? Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Et nous mettons à tout le monde avec nos vœux sincères. Alors la GRS, c'est un peu un mélange de danse, de gymnastique qu'on fait avec des engins en fait. Donc on a le cerceau, le ballon, la corde, le ruban, les massues qui se fait en équipe ou en individuel. Voilà, on a des compétitions, deux par an et pour les plus grandes, elles peuvent prétendre à la sélection pour le championnat de France. On a aussi un gala de Noël en décembre et un gala de juin, de fin d'année, fin juin. On peut nous trouver sur Facebook à GRS Muroise, sur Instagram à grs.muroise également. On est situé à Saint-Bonnet, Mure et Saint-Laurent-de-Mure. Les inscriptions sont seulement aujourd'hui et il faut vraiment venir longtemps à l'avance, nous contacter longtemps à l'avance parce que malheureusement on n'a souvent pas de place et là les listes d'attente sont assez grandes, malheureusement. Voilà. Comme on est limité pour les équipes, on ne peut pas prendre plus de 8 gyms par équipe, donc ça fait très peu.
Donc notre, on est multidiscipline, mais la base initiale c'est le karaté. Donc on fait du karaté Shotokan, qui est le karaté traditionnel. Et on propose également des cours de self-défense et de full contact, qu'on appelle aussi chez nous le karaté combat, et de body karaté, qui est des mouvements de karaté en musique rythmée. Voilà, et nos cours s'adressent des enfants des 4 ans jusqu'à... Il n'y a pas d'âge limite après par la suite. Voilà, donc nos cours se passent à Saint-Laurent-de-Mur, à la salle du Cercle, les lundis, les mercredis et les vendredis sur différentes plages horaires. Les cours, ça s'adresse aux hommes, aux femmes, aux enfants. Voilà, il n'y a pas de différenciation, ça s'adresse vraiment à toute population. Au niveau des inscriptions, on propose déjà des cours d'essai. Et si l'essai est concluant, sur place, on vous remet une enveloppe et l'inscription, vous remplissez les documents vous-même à la maison et vous les rapportez au cours suivant. Voilà. Venez nous rencontrer et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà. Est-ce qu'on a la musique, les gars? On est Étienne. Est-ce qu'on a 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7? Aujourd'hui, c'est le forum des associations. Je vous présente le stand du syndicat intercommunal qui regroupe donc la piscine avec toutes ses activités, aqua fitness, aqua bike, aqua senior, aqua boxing et juste à côté de moi, la médiathèque. Il est possible de s'inscrire aujourd'hui et dès aujourd'hui sur toutes les activités. Bien sûr, on parle aussi des enfants, puisqu'on va s'occuper aussi des bébés nageurs et du jardin aquatique. On vous attend nombreux. La médiathèque et toutes les activités de la médiathèque, vous pouvez également vous inscrire dès aujourd'hui. Le stand est là, les maîtres nageurs sont là, Claire est là de la médiathèque. On est heureux de vous attendre et on est heureux de vous accueillir. Je n'oublie pas bien sûr les seniors, une part très importante de notre activité. Les seniors peuvent faire de l'activité d'aquagym, fitness, senior réservé, avec des créneaux réservés uniquement pour eux, le lundi et le jeudi, de 11h15 à 12h. Les bébés nageurs, on les attend le samedi matin. Le jardin aquatique, nous les attendrons le samedi matin ainsi que le mercredi après-midi. Pour les cours d'aquagym et d'aquabike, les cours d'aquagym sont toute la semaine, le midi, entre la période de midi et 13h30. Ainsi que le soir, avec des cours un petit peu plus intensifs. Également, l'aquabiking, rendez-vous à l'accueil de la piscine afin de vous inscrire directement auprès des hôtesses d'accueil. Au Judo Club Murois, nous proposons du judo pour les enfants à partir de 4 ans, et pour les adultes. Nous proposons également, à partir de 15 ans, du jujitsu, c'est assimilable à de la self-défense, de la gymnastique et de la musculation. Les cours de judo sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans
et les cours adultes sont ouverts aux hommes, aux femmes, débutants, confirmés, pour le loisir ou la compétition. Toutes les activités se déroulent au dojo de Saint-Bonnet-de-Mur. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter notre site internet que vous trouverez facilement en faisant une recherche ou bien notre compte Facebook Judo Club Murois. Tout le monde est bienvenu au Judo Club Murois. Les débutants, les pratiquants confirmés, les hommes, les femmes. Le club est ouvert à tous. Association, on est d'abord une école de natation, donc ouverte de 5 à 13 ans, oui. Donc c'est pour l'apprentissage de la natation. Après, on a des groupes de compétition, donc pour les plus débrouillards ou qui ont envie de faire de la compétition. On a 3 niveaux de compétition. Et on a aussi des groupes de water polo. Accessoirement, on a aussi de la natation loisir. Nos activités se déroulent dans la piscine du CIM sur Saint-Laurent-de-Mur. On a un partenariat avec le CIM. On dispose de lignes de natation pour pratiquer nos activités 5 jours par semaine. On est en tant que club de natation affilié à la Fédération Française de Natation. Et nos meilleurs nageurs... jusqu'à maintenant sont allés récemment en niveau région, mais il y a 4 ou 5 ans ils allaient au niveau national 2. Au niveau des réseaux sociaux, vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Twitter, mais il marche pas trop, et on a un Instagram depuis 2 ou 3 mois. Pour nous trouver, c'est assez simple, vous tapez AS Mur Natation, on est référencé sur notre site internet. Le plus facile pour vous inscrire, ça aurait été de venir au forum des associations aujourd'hui. Sinon, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, tout est décrit et tout se passe par internet. Vous remplissez votre dossier, il est ensuite validé et ensuite vous pouvez procéder au paiement par carte bleue, voire même jusqu'en 3 fois sans frais. La natation, c'est un sport pour tous les âges, de 7 à 77 ans. Toutes les activités sont accessibles à tous, que ce soit l'apprentissage de la natation ou la compétition. Tout ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. Et qu'on soit un homme ou une femme, on peut prendre du plaisir en faire de la natation.
depuis 2004 et on propose trois disciplines aux filles et aux garçons à partir de 7 ans. On propose le cheerleading, qui est un sport américain, la danse freestyle et la danse pompon. Les disciplines, concrètement, c'est un mélange à la fois de danse, de portée, de gymnastique. Donc en fait, on va proposer le cheerleading, qui est un mélange de saut, de portée, de danse, qui est une discipline assez militaire. On va envoyer des filles en l'air, on va les rattraper, les porter au-dessus de notre tête. C'est un sport qui est né aux États-Unis et qui maintenant n'est plus un sport qui encourage les équipes américaines des autres sports, mais qui est un sport à part entière. On va aussi proposer de la danse freestyle. La danse freestyle, ça va être un peu comme du cheerleading, mais avec des pompons dans les mains. C'est un peu plus chorégraphié, on va dire. C'est un sport qu'on pratique à très haut niveau dans le club parce qu'on a participé plusieurs fois au championnat du monde et encore cette année, on va y retourner l'année prochaine. Donc on a une équipe spécialisée qui s'entraîne très très dur pour ce genre de compétition. Et la dernière discipline qu'on va proposer, c'est de la danse pompon. La seule différence avec la danse d'avant, c'est que c'est un petit peu moins technique, mais c'est plus scénique. On va choisir un thème sur la discipline, on va faire des costumes, une musique et des pas de danse qui sont en rapport avec ce thème, de façon à ce que le public qui regarde la chorégraphie soit capable de deviner le thème. On accueille filles et garçons du coup à partir de date de naissance 2015 pour cette année. On est basé sur Saint-Bonnet, sur Saint-Laurent, donc on va s'entraîner à la fois sur Saint-Laurent-de-Mur, dans le gymnase qui est derrière à Malraux. On s'entraîne aussi au Cercle, la salle de danse. On s'entraîne pour certaines équipes à la Halle des Sports de Saint-Bonnet-de-Mur. Et maintenant, on a aussi notre propre gymnase à Chassieux, à côté du stade de foot. Si vous voulez suivre nos actualités, on est sur Facebook et sur Instagram. Le nom, c'est Fever Cheer Dance, tout attaché. Donc Fever, F-E-V-E-R. Cheer, ça s'écrit C-H-E-E-R. Et Dance, comme à l'américaine, D-A-N-C-E. Vous pouvez nous retrouver ici au forum jusqu'à ce soir. Et ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un petit mail sur notre site internet. C'est le même nom que les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux pour qu'on vous donne les modalités d'inscription. Et éventuellement, si vous avez besoin, on peut venir au cours d'essai sans avoir été préinscrit à l'avance. Les cours d'essai sont la semaine prochaine, donc début septembre. Si vous cherchez un sport qui est dynamique, avec des enjeux à l'international, des super compétitions, du fun, beaucoup de paillettes, c'est important. Et ben, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est à Saint-Bonnet, on est à Saint-Laurent et on vous attend. Nous organisons des événements festifs de concerts, festivals tout au long de l'année, avec comme principal but de pouvoir mettre en place ces festivals et laisser la place à de jeunes artistes régionaux en devenir, de les mettre à côté d'artistes nationaux sur une scène professionnelle. Notre association encourage l'intergénérationnalité, de pouvoir accueillir tout public de tout âge et à un prix relativement modique. Et nous avons écrit une charte associative dans laquelle nous mettons en place toute une série de points, comme de pouvoir avoir une partie écologique, une partie culturelle importante, et d'apporter un soutien à une association caritative en reversant 1 euro par adhésion à cette association caritative que nous choisissons chaque année, ainsi qu'un euro par billet vendu. Voilà. Donc merci, n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur lesmusicales.com, notre site web, ainsi que sur le Facebook Festival Les Musicales. À bientôt, merci. Que pour la deuxième édition du Forum intercommunal, c'est une belle réussite. En plus, on a eu la chance jusqu'à maintenant d'avoir le temps avec nous, qui a été clément, pas de pluie, pas de vent, donc tout est très bien passé. On a plus de 42 associations qui étaient présentes sur ce forum. Et merci à elles, toutes ces associations qui œuvrent pour les Laurentinois et les Murois, et qui donnent de leur temps, parce que
Il faut bien se rappeler que ce sont tous des bénévoles qui œuvrent dans les associations, que ce soit le président, le bureau ou tous les membres actifs de l'association. Ce sont tous des bénévoles et j'en profite pour les remercier sincèrement de leur engagement et de leur disponibilité dans chaque association. Aujourd'hui, je pense qu'on a, dépassé le score de l'année dernière où on avait en gros 2500 visiteurs et on a dû faire mieux cette année. On doit atteindre les 3000 visiteurs, parents, enfants, avec pour eux des animations, puisqu'on avait un stand de maquillage pour les enfants, un stand de balade en poney et un stand de tracteur à pédales. Voilà, pour les animations et puis des démonstrations de toutes les associations de danse et d'arts martiaux aussi, qui ont fait des démonstrations de karaté, de bâton, de kung-fu, plus les associations qui ont fait Cheerleader, Nadine Danse, tout ça, voilà. Et puis, rendez-vous à tous l'année prochaine pour le 3e Forum intercommunal.